Souvenez-vous, l'année dernière, je vous avais présenté en vidéo différents produits ultra sympathiques. D'ailleurs, ça vous avait vachement plu sur des lampes solaires. Le soleil va ressurgir et pourquoi pas utiliser des lampadaires solaires à télécommande, des lampadaires de 180 LED et tout ceci en solaire, donc économie max sur les lumières extérieures. Muni d'une télécommande, la marque Kuntis m'a recontacté cette année pour vous représenter leur tout nouveau produit de lampes solaires, de lampadaires solaires tout simplement, que vous allez pouvoir installer. Vous aurez donc la possibilité de les gérer avec une petite télécommande qui est fournie. Ça, c'est franchement génial. Vous allez pouvoir augmenter ou diminuer la luminosité. Ce que je vous propose dans un premier temps, de déballer le package. Regardons ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Le coût, moins de 50 €, et en description, je vous mettrai un petit code de 10%. Donc, si ce genre de lampadaire peut vous convenir, je peux vous dire que c'est vraiment ultra sympa. Puisque ces lampadaires vont éclairer sur un halo de à peu près 3 mètres, vous allez avoir à peu près 6 heures d'autonomie dans la nuit. Si vous êtes par exemple en camping et vous voulez donc éclairer votre endroit avec ce genre de lampadaire solaire, vous allez pouvoir éclairer près de votre tente. D'ailleurs, ce lampadaire solaire a tout simplement un détecteur de mouvement, donc détecteur de voitures, de personnes, d'animaux. Ils vont s'éclairer automatiquement. Ton détecteur pourra détecter une personne jusqu'à 10 mètres et ce lampadaire solaire pourra éclairer des chemins, des endroits bien précis chez vous si ce n'est pas éclairé. Passons tout de suite au déballage. Donc, on va trouver un petit sachet avec des vis si vous désirez donc visser ce lampadaire par exemple sous un garage, sur un cabanon ou en hauteur. On retrouvera une toute petite télécommande ici avec la petite languette à retirer, tac, pour activer la télécommande et gérer la lumière. C'est vraiment très pratique. On retrouvera bien entendu un petit livre, la notice sous forme de petit feuillet, et cette notice bien sûr sera en français. Et on va retrouver tout simplement ce lampadaire ultra puissant, 180 LED les amis, ce n'est vraiment pas du tout rien. On retrouvera tout simplement le petit support pour visser donc le lampadaire, comme je vous l'ai dit, hein, sur un mur, sous un auvent, sur un cabanon en bois, etc. Comme vous pouvez voir à l'arrière, on a donc les deux récepteurs solaires pour pouvoir récupérer et charger les lampes. À l'avant, plus de 180 LED à votre disposition pour éclairer un maximum l'endroit que vous désirez. Franchement, ça c'est super cool. Alors comme vous pouvez voir, ce lampadaire, vous allez pouvoir le gérer et le diriger comme vous voulez. On a ici le détecteur de personnes. Dès que le lampadaire verra une personne à 10 mètres, vous aurez donc les deux lampadaires qui vont s'éclairer. Comme vous pouvez voir, on peut les diriger comme on le désire. Éclairer un côté droit et un côté gauche, ou en faire carrément un lampadaire qui sera ultra puissant. Vous pouvez voir qu'on va avoir une très grande surface d'éclairage avec une très grande surface de panneaux solaires, 6 heures d'autonomie. Je peux vous dire que la nuit, ça éclaire énormément, c'est assez impressionnant. Ce qui est plutôt pas mal, c'est le détecteur de mouvement. Si vous êtes quelqu'un de malvoyant, que vous avez besoin de lumière dans un chemin, devant chez vous, si vous êtes dans un endroit un peu sombre, eh bien le détecteur de mouvement, dès qu'il va vous détecter, ça va s'allumer tout seul. Donc c'est quand même assez efficace. Vous allez retrouver tout en haut, lorsque vous avez ouvert les deux panneaux, tout en haut, au centre, au-dessus de la boule qui est le détecteur de mouvement, vous allez retrouver un petit bouton poussoir pour allumer ou éteindre le lampadaire. Côté télécommande, vous allez avoir différents boutons. Ici, complètement en haut à gauche, le bouton marche, en haut à droite, le bouton off. Juste dessous, vous allez rencontrer taux de lumière. Alors vous aurez sur le mode 1 le mode chaud, le mode au milieu normal, le mode 2 et le mode 3. Vous aurez donc le mode froid. Ensuite, le mode 1, le mode 2, le mode 3, c'est pour la détection.
et le temps d'allumage. Les deux boutons sur la télécommande tout en bas, vous aurez à gauche le petit plus et le petit moins pour augmenter la luminosité. On a donc vraiment un très beau package côté lampadaire et vous allez voir que dans la nuit c'est très efficace. Je vous montrerai ça une fois la nuit tombée. Alors voilà ce que ça donne une fois dans le noir, comme vous pouvez voir ici. Et si avec ma télécommande j'allume, voilà ce que ça va donner en termes de lumière. C'est vraiment très puissant et on pourra éteindre si on le veut. La télécommande, c'est bien pratique, franchement c'est le top. Et vous pouvez voir que ça éclaire énormément une pièce. On peut jouer sur les différents tons de lumière. C'est vraiment super chouette. Regardez ici, j'ai mis un ton plus chaud, le mode standard et le mode pleine lumière. Donc ça éclaire vraiment. Et ça pourrait même éclairer un setup si vous avez besoin de lumière blanche. Franchement, c'est super efficace. Donc à gauche, tout en bas, je me suis trompé tout à l'heure, c'est le bouton pour diminuer la luminosité. Et à droite, c'est le bouton plus. Et à droite, c'est le bouton plus pour augmenter la luminosité. Donc, il y a de quoi faire, hein, les amis, pour se mettre dans une ambiance plutôt pas mal. Imaginez-vous en camping, vous avez besoin de lumière. Toute la journée, vous laissez votre lampe prendre le soleil. Et le soir, vous aurez donc une lampe solaire qui éclairera toute la nuit. Si vous voulez faire la fête, par exemple, eh bien, grâce à la télécommande, vous allez pouvoir allumer à distance, éteindre à distance. 180 LED, c'est quand même très efficace. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous mets donc tous les liens en description. Vous avez 10% sur ce produit grâce à la chaîne Vision High Tech. Et on se dit à très vite pour de prochaines astuces accessibles à tous. Salut à tous.